Salut tout le monde, bienvenue sur la postérité de l'aîné. De temps en temps, vous venez tout partout sur ce bail à parler. La marque de la bête à droite à gauche. Vous dire, n'a fait sujet ça, n'a fait étude ça. L'armée nous pose en pile attention parce que ce sujet est extrêmement important. Il y a pile d'informations. Vous pouvez connaître ça qui a passé. Donc, d'apprécier pour nous prendre un calvin pour verser et puis d'en rouler après. Donc, comme nous connaissons la postérité de Lévi, nous ne pouvons pas prêcher. C'est étude de faire ça. Nous ne pas un message, nous ne pas pasteur, nous ne pas prédicateur, mais c'est apprendre. Connaître la Bible là. Dans un autre niveau plus haut. Pour commencer, comme à l'habitude, la préintroduit le service avec le son du chauffard. Le chauffard est un instrument sacré qui a existé depuis le temps de Moïse. Les abayates qu'on a communiqué à Moïse, en façon que Moïse se confère à des abayates, ils ont fait le chauffard. Nous allons continuer la même tradition. Donc, la même tradition d'autrefois, comme nous, c'est le peuple d'Israël, l'année, nous suivons le même principe, d'après de Dieu avec le chauffard. Et puis tout de suite après, frère et lui, après tout de nous, dans votre prière, pour nous présenter le message ça, à Abaya. Merci. Bon dia Baya pour faire partie de l'étude sacrée d'affaires. Donc, prie à Pétrodino dans un cours de prière d'introduction. Merci. Donc, sans plus tarder, frère, commence l'étude pour nous. Merci, frère Joël, pour une bonne introduction. Je souhaite que tout le monde qui est avec nous soit réellement assidu. Et puis pour ta fermer téléphone yo ou soit computer yo, fermer audio et puis après que l'heure que nous finis, nous allons avoir toute une occasion pour poser des questions et puis n'a pas ensemble n'a poser questions puis n'a avancer. Sujet n'a prêté aujourd'hui à c'est la marque de la bête. Il y a plein de monde qui définit marque de la bête là façon pareil. Façon que vous comprenez. Il y a un paquet de religions qui définit marque de la bête là. Jean Payo. Il a même dit comme ça que vaccin que il y a bay deux là voilà, qu'on y a là pour COVID-19 là, c'est la marque de la bête. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Des fois que nous pensons sentir que en tant que Israël qui sortit dans la tribu de Lévi. Nous supposons comprendre bagaille ça au bien. Parce que c'est notre histoire. C'est histoire pas nous. C'est ça que nous connaissons. C'est ça que nous comprenons. Et de ça que nous avons parlé. Bible, c'est histoire nous lié. Faut nous comprendre Bible bien. Abaya te quitté série de traces pour nous. Pour te ça utiliser trace ça yo, pour te ça tourner au bercail. Mais maintenant que dans même Bible ça, nous vinn si tellement éloigné de Abaya. Nous vinn si tellement quand qu'un monde qui pas comprendre. On nous commencer. Qui gens que nous interpréter marque de la bête là. Nous va commencer dans Daniel. Parce que depuis nous sommes bêtes, nous sommes Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar te fait un rêve, il te oublie le rêve là. Il n'y a pas de monde qui a interprété. Abaya te baye Daniel, don d'interprétation
qui fait que le temps qu'on a interprété rêve. Mais qui ça que le temps où il était où quatre royaumes qui t'a dominé la terre, qui était supposé dominer la terre pour longtemps. Mais royaume ça yo, il était présenté par bête. Nous connaissons que c'était premier royaume, c'était Babylone. Deuxième, c'était Mède et Perse. Troisième, c'était la Grèce. Et quatrième, c'est Rome. Mais par quelle bête qui a été représentée? Parce que Joseph en a parlé de bête. Tout ce que je vais lire pour nous, dans Daniel 7, verset 4, pour nous voir que le premier royaume, qui bête qu'il dit? Daniel 7, verset 4, nous dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Il n'y a pas de venir directement de Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui était tête là, qui était fait en or. Mais qui bête il était? Qui bête que il était représenté? Tu peux dire, il était représenté comme un lion qui avec zèle. Et puis, Abaya te permet de camper sous pied lui, et Abaya vient balayer un cœur d'homme. Nous connaissons que, nous avons dit comme ça que, premier bête là, c'était un lion. Babylone, tu représentes pas un lion. Ou tu vois photo lion ça dans tout édifice. Photo lion ça dans tout drapeau Babylone te gagne. Et deuxième bête là. À qui ça a été représenté? On a dans Daniel toujours, Daniel 7, verset 5. OK. Et Daniel 7, verset 5. Oui. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtés, dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Quand il y a la deuxième bête là, c'est un loup squelé. Il pas de gueule, il n'y a pas de tâche de lui-même, c'est le gueule qui t'a gagné, et puis il y a des consacrements, et l'eau ça qu'on a mangé. En pile. Mais nous pas connait que qui Jean que t'a prié, bon yo pas dit non comme ça que il t'ai gain un cœur d'homme, nous pas connait qui relation que il t'ai gain avec Abaya. C'était les mères et les princes. L'un de mes princes ça, pas oublier que n'a parlé de Irak. Troisième bête là. Troisième royaume là. Troisième puissance. Qui bête que il t'ai? Bête que qui il t'ai représenté. OK, Daniel 7, verset 6, nous dit, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Quand il y a la troisième bête là, c'était un léopard. Qui te gagne quatre ailes quand on oiseau. Et puis Léo dit que nous avons quatre têtes là, c'était quatre rois, quatre empires qui étaient montés après Alexandre le Grand parce que c'était la Grèce. Et puis au Bali de domination. Ce qui veut dire que nous connaissons premier bête là, deuxième bête là, troisième bête là. C'était un lion, c'était un loup, c'était un léopard. Quatrième bête là, la Rome. C'est la Rome. Qui bête que lié? À qui ça que semblait? On allait en Daniel 7, verset 7, pour nous voir que qui semblait ça? Qui j'en lié? À qui ça le semblait? Daniel 7, verset 7, nous dit, après cela, je regardais pendant mes visions, nocturne. Et voici, il y avait un quatrième épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer
il brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. So, frère Joël, où livre passage là? Qui bête que lié? Bon, c'est la Rome. Oui, c'est la Rome, mais qui bête que lié? Est-ce que son lion, est-ce que son léopard, est-ce que son loup? Quatrième bête là, il n'y a pas dit nous qui bête que lié. Il y a dit nous quatrième bête là, il était effrayant. Daniel était peur. Et puis il dit nous encore quatrième bête là. Là que le paraît, l'a crasé, l'a brisé, tout bagaille. Et quatrième bête, ça, seul détail que Daniel Banon, il y a 10 cornes. 10 cornes, ça représentait 10 puissances. Il représentait 10 nations. Nations, yon a monté après l'autre. Yon a fonti coup après l'autre la monté. Ce qui veut dire que 10 bêtes, ça, c'est tellement très difficile. Daniel, pas qu'à gagner information, ça. Ou pas qu'à comprendre, ni. Daniel, pas qu'à gagner information, ça. Mais, est-ce que l'est pas important pour nous? Si que nous te connaissons information, ça, est-ce que on monte cap dit nous comme ça que bête, la marque de la bête, là, c'est un vaccin que l'est? Nous pas connait ni lèk ou pas connon bagaille yo di n'importe ça que vous voulez. Nous gna di comme ça que Magdala bête là son pays. Nous gna di Magdala bête là son fleuve. Nous gna di Magdala bête là son c'est une maladie. Ou pas connait de lui-même. Mais Abaya pas jamais quitté petite dans fait noir. Abaya toujours fait un gens pour expliquer petite lui. Qui ça l'a dit, pour expliquer petit, qui ça que l'on connaît. C'est pour cette raison, livre qui parle de bête, ça, c'est un livre que vous trouvez dans la Bible. C'est un livre où tu as dit comme ça, que c'est deux livres qui parlent de la fin des temps. C'était Daniel, c'était Apocalypse. Il ne parle ni Daniel, ni pas ni Apocalypse. Mais c'est un livre qui parle de la fin des temps. Livre ça si tellement important et retiré, c'est 2 Esdras. Nous pouvons aller dans 2 Esdras 10, verset 10 à 14. On nous met ça qui bête que le dé. 2 Esdras 12, verset 10 à 14. Et Sanabalat, l'Aonite et Tobias, le serviteur Ammonite, recouirent. Et ils étaient mauvais pour eux qu'un homme fût venu vers du bien au fils d'Israël. Ok, nous pouvons faire possible pour nous lire pour en créole. Mais, explication, vision et faire. Vision que Daniel te fait, Abaya révélé-li par Edias. Li dit, mal fini ou te wè monté sorti. Dans la mer, l'aigle dit le mal fini, c'est un aigle. Ça que Daniel Patroya, c'était un aigle que lui. Et puis il dit comme ça que les campés ont système de gouvernement. Frère, ou là, vision pâle, mais explication, yo te wè ça, mais ak ça m'a coulé yo. Bam essayer li en version anglaise là. He said to me, this is the interpretation of the vision that you have seen. The eagle that you saw coming from the sea is the fourth kingdom. Kingdom that appeared in the vision to Brother Daniel, but it was not explained to him as I'm now explaining to you what will happen. The days have come when a kingdom shall rise on earth
and it shall be more terrifying than all the kingdom that have been before. And 12 kings shall reign on it after another. Qui ça que dit nous comme ça que pour gain 12 kingdom chaque a monté une après l'autre. Lowe Exras bon plus explication. Exras 2 Exras montre que bête ça sont inculté. On nous camper dans ça premièrement. Deux Exras dit nous comme ça que c'est un inculté. Nous connaissons que toute puissance qui t'a dominé la terre à une époque toute cité gain aigle dans drapeau yo. Si exemple que nous gagnons dans la Bible, c'était en allant de Deutéronome 28, verset 49. OK. Deutéronome 28, verset 45, nous dit, l'Éternel Abaya fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi de vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Kounya là, c'est l'air que dans Deutéronome, l'air que Abaya t'a baillé au châtiment, il dit comme ça que, ou abgon nation qui a vini sous vous, parce que l'air, ça n'a pas eu de l'Amérique. L'air, ça n'a pas les deux Christophe Colomb qui pourra conquérir l'Amérique. Parce que en Amérique, même ce qu'il dit nous comme ça que c'est indien, il dit Taino, c'est indien, mais nous connaissons que c'est Israël. Les Christophe Colomb a entré, yo wè que son drapeau a flotté sous la mer. Et puis qui ça que yo wè son gros aigle. Cela veut dire que l'Espagne on le te gen aigle sa nan drapeau li. C'est dire que chaque leur on l'autre empire monté, li prend aigle ça. Maintenant que qui empire k'ap dominé kounya qui gen gros aigle dans drapeau. Qui empire cap dominé kounya qui placer aigle sur presque tout ça que le gagne l'Amérique pas ka comprendre pas ka comprendre la bête pas quitter au monde cap dire comme ça que c'est autre chose pas ka comprendre qui ça que lié et puis encore en retourner dans deux Exras Exras dit nous comme ça que l'a gagne 12 kingdom. Mais nous connaissons que, là que nous avons fini, la quatrième bête là a bien 10 têtes, a bien 10 cornes. Côté Exras barré avec 2 cornes ça. Côté Exras barré avec 2 kingdoms ça. Est-ce que Exras pas connaît qui ça l'a dit? Là que un Jean t'a expliqué Exras qui ça que l'était passé, c'est par le fait que l'autre bête qui t'a pas levé sur la terre là t'a bien 2 cornes. So 10 plus 2 bah 12. Pour y a la Exras c'est Apocalypse avec Daniel li mette ensemble. On a les nan verset. Nan Apocalypse 13 verset 11. Fais je l'appeler pour nous. Apocalypse 13 verset 16. Oh, 13, verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Kounya là, c'est bête ça qui te gagne 2 cornes. Bête avant te gagne 10 cornes, ça Daniel te voya. Kounya bête apôtre Jean voya gagne 2 cornes. Et puis Exras get en 2 et puis le 10 il dit consacre la bien 10 royaumes et Exras dit nous consacre youn a pleuvé après l'autre. On laisse la France, on laisse l'Angleterre, on laisse l'Allemagne, on laisse c'est dit que c'est tout et puis qu'on y a là l'Amérique lui-même qui gagne 2 cônes. Nous te font étude sur ça bot m'a banon une idée en très rapide. 2 cônes c'est Amérique. L'Église et l'État viennent diviser. Et ça fait bien 2 cônes. Longtemps, c'est l'État qui te commandait tout.
si l'État condamné ou pas rien qui peut dire rien. Quand que l'histoire que nous te connaissons de Galilée, dès que l'été fait série de recherches, il dit comme ça que c'est la terre qui a tourné autour du soleil. Parce que l'Église te gagne dans le système, yo, les Josué, peuple Israël là, qui était à la tête de Josué, t'a battu avec les Philistins. Donc côté que les poil perdu, Josué mandé à Abaya si que les vinasque la perdu bataille là pour camper système là. Kun ya moun ki là qui ça yo wè système là camper, mais comme tu pensais que c'est soleil là qui tourner autour de la terre. Yo metté dans Bible là, Josué arrêta le soleil. Kun ya l'église pas d'accord avec Josué. Avec Galiléo, il était besoin de condamner Galilée parce que à cette époque, depuis que l'Église pas d'accord avec eux, ou pas capable passer en rien du tout. Mais l'autre bête ça, il y a deux connes, c'est séparation entre l'Église et l'État. L'Église pas gain toute qualité gain encore. L'Église gain droit condamner, mais faut l'État même accepter. Il dit qu'on s'accorde ce qu'elle d'accord avec ça l'Église a dit. Et ça fait que l'Église gagne du con. Sur nous, le livre Exodus, surtout Exodus 2, est très important. Nous faisons un paquet d'études et puis nous utilisons le livre ça en pile. Si vous avez procuré le livre ça, il tape réellement bien. Maintenant que nous continuons, nous parlons de un paquet de bagailles. On a entré back dans le sujet, nous. On a parlé de la marque de la bête. Tout le monde a un verset sur la marque de la bête, right? On a lu dans Apocalypse 13, verset 16. Apocalypse 13, verset 16, nous dit, « Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre ou esclave, reçut une marque sur leur main droite, ou sur leur front. » Maintenant que on a parlé de l'air que mon entendait que on peut recevoir un marque sur la main droite et sur le front ou sur le front, right? Maintenant que jusqu'à présent que nous pouvons jamais un monde prend vaccin sur front yo. Et puis encore des fois qu'il y a ben vaccin ou est que mon n'a qu'on prend sur main gauche, dans main gauche, pour faire dans main droite. Pour qui ça que y a dit non qu'on ça que ça c'est marque là. Parce que des fois que ou vient ou gain en connaissance, mais si que ou pas pour ces connaissances ça, ou vient bon esprit d'égarement. C'est dit que Bible là qui écrit pour avec histoire là, même ou même on ne vient pas comprendre ni tout. Parce que ou pas le fait devant. Ou pas ouais que en quel monde ou pas ouais ce que ça fait et là que Bible a dit on bagaille même si que pas fait à la lettre mais ou t'as ouais que le fait depuis que Paul le fait lui dit comme ça que on croit dans Bible on croit dans histoire moi c'est pas ça que lié mais ou par contre qui ça que la caille on paquet monde nous connaît que peuple nous a réveillé peuple nous a pas prendre connaît qui est ce que mais dans le même sujet, ça, il y a des séries d'Israël qui viennent avoir un esprit d'égarement. Bakala gen doit clair devant. Il doit parler avec vous. Ou doit expliquer, ou ballon verset, ou expliquer, le, ou dire s'il sentit que c'est par contre ça que vous êtes levé. C'est par contre ça que grand-parent vous êtes levé. C'est-à-dire que vous sentit que quand vous avez un monde qui est en tour, vous essayez de tirer. Il n'est pas capable de sortir. On a lu dans 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12 nous dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir
à l'injustice soit condamné. Là, il y a un paquet de monde qui a un esprit d'égarement. Il y a un mensonge. Il y a un remède les croyances paroles qui n'est pas bien. Il y a un sens que y a bien les que y a arrivé en côté. On va pas consacrer à fait. C'est là que c'est un monde qui est difficile pour comprendre la parole là. Qui est difficile pour comprendre que qui ça que l'Éternel a baillé qui était pour eux. Parce que y a un esprit. Mais comment fait un monde qui a un esprit d'égarement? Qui ça que mon en fait? Qui ça que lui fait du mal? Que lui a un esprit, il n'y a pas d'autre monde qui n'a pas un esprit ça. Il n'y a pas d'autre monde qui vient. Est-ce que nous avons dit comme ça que il pas faire? Mais nous connaissons que il y a une série de monde qui voilé. Yo gen on voile qui couvre les yeux yo. Et ça fait que c'est là que ou parler de abaya, si que mon n'a pas voulu recevoir lui pour marcher parce que il gen un voile. Paul prie abaya pour abaya aussi le voile ça. Parce que ça fait mal pour que Israël a répété série de ça l'autre nation dit, ça bête là dit c'est lui même Israël a répété. On a lu dans 2 Corinthiens 4, verset 3. OK, 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Kounya là, si que l'évangile là, c'est dans le dernier temps, c'est là que nous supposons comprendre l'évangile là bien. Si que l'évangile s'est voilé parce que vous avez péri. Parce que vous supposez clair pour vous. On m'a supposé, dans tant longtemps, on m'a dit qu'on doit venir en parole ou qu'on doit dire qu'on ne peut pas comprendre bien. Parce que dans tant ça, les que les que Abaya, vous, le Saint-Esprit, qui pour expliquer les choses. Mais si que vous voilez jusqu'à présent. N'a répété un verset que mon nom répété en pile. Jean 3, verset 16. Que Yahusha est venu pour tout le monde. Il y a des gens qui voilent. Ce n'est pas venu réellement pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Et l'autre monde qui a sauvé, il a sauvé par Israël. Parce que ça ne lui a pas jamais offert à eux-mêmes. C'est peut-être ça que les Yahusha étaient sur la terre. Il n'y a pas de parler en langage pour tout le monde comprendre. Des fois qu'il était obligé de parler en parabole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un choix. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de connaissance. Ça. N'a pas Matthieu 13, verset 13 à 15. OK. Matthieu 13, verset 13 à 15. Matthieu 13. Nous dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que en voyant, ils ne voient pas, ils ne voient point. Et quand en entendant, ils entendent, ils ne comprennent. Et pour eux, cela s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15 nous dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce qui veut dire que il y a un paquet de monde. N'a font résumé, yo wè ça vous voulez, yo comprendre ça que vous voulez. Yo wè ça que vous voulez, ouais. Vous attendez ça que vous voulez attendre,
et vous comprenez ça que vous voulez comprendre. Côté moun sa est là, ou pas qu'il est tiré. C'est comme ça lié. C'est comme ça l'été fait. Li connaît que quand vous que li déclare tête qui sont grand nation que lié, li plus grand passé, li gen va tout pidi. Elle pas senti que li gen en ken ou devance envers ou même, c'est normal pour faire ça que vous faites. C'est comme ça que lié, c'est comme ça que c'est bête lié, c'est comme ça que lié, c'est comme ça que c'est comme ça le move. C'est naturel. Ce qui fait que et ça fait que Yahweh a dit comme ça que il pas parler pour yo. Mais si qu'on y a bien fourré dans les sumac en Jean 3 verset 16 quand il était venu pour le monde. Non. Il est venu pour peuple, il est venu pour petite lui. Il est venu pour restaurer petite lui. Elle est là pour tout la venir chercher petite lui. Est-ce que a bien essayé de l'autre parler ça? Oui. Oui. Cap gain repentance de par nous-mêmes. Yo cha dit pas parler pour yo. Moi ou là bot yo pas intéressé moi. Parce que ça mon na gain dans cœur là ou pas ka retirer. Après ce sujet oui. Kounya là, est-ce que son bail qui est injuste pour que les mon créer comme ça? C'est dire que m'a expliquer nos bêtes là, c'est comme ça bête là créé. C'est naturel. Il était créé pour le faire que ça l'a fait. Est-ce que les sont bagages qui injustes? On voit qui c'est l'apôtre Paul Abdino dans Romains 9 verset 14 à 16. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui je compassion. Cela veut dire que Abaya dit qu'on a grand monde, il fait salver. C'est pas à tout le monde que l'a fait miséricorde. C'est avec peuple à mon qui choisit, c'est lui-même seulement lui fait miséricorde. Ainsi donc cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de celui qui court. Ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce qui veut dire que rédemption, salvation, pas dépend de vous-même. Pas qu'à faire rien pour sauver. On se bat avec Abaya Dieu comme ça que mettez toute loi, tout commandement, tout précepte en application. Affaire de on l'église ou soit en religion, qu'à Dieu comme ça que mais ça pour faire pour sauver, c'est parce que il besoin retirer auprès de Abaya ou déjà sauvé. Et ça fait que on a punition qu'on y a là, c'est parce que vous avez refusé mettez tout commandement ça en application. Les 613 commandements. Maintenant que wap courir dit comme ça que est-ce qu'on va sauver mais ça qu'a fait non mettez en application parce que les baouli pas rien qu'on fait qui fait le baouli et pas plus intelligent c'est pas plus nombreux d'ailleurs Israël son peuple qui était perdu pour qui ça que les remonte là. Son peuple, ou peut qui sa que li gen la kali, Abaya Dieu choisi li. Li ba li miséricorde. Koun ya li rive en côté, li pa ka comprendre le manque de la bête. Li pa ka comprendre qui sa ka fait là. C'est ça que li gen la kali ou ka perdu. En tourne back dans sujet ya. On a li nan Apocalypse 13, verset 7. OK. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue et toute nation. Bête là, gain autorité sur toute tribu, toute peuple, toute nation, toute langue. Ce qui veut dire que si bête là t'es besoin si que qui cru ça c'était marque de la bête là bête là baou li parce que li gen autorité et puis il fait la guerre au saint. Qu'est-ce que le saint? Le saint c'est le peuple Israël. Bête là gen toute autorité, il gen pleine autorité, il décide qui est-ce qui pour vivre, il décide qui est-ce qui pour mourir. Il décide que tout pays qui pas
avec yo li décider que qui ça tout fait la caillou parce que l'a dirigé le monde qu'on y a là. Est-ce que ou ka comprendre pourquoi expliquer au monde on bête qui gen si tellement autorité, il gen autorité de vie et de mort sur tout le monde, sur toute langue, sur toute race, sur toute nation. Il même crasé les saints. Cela veut dire que dans temps ça, bête la gen doit faire ça que le veut. Ce qui veut dire que on monde cap dire comme ça que marque de la bête la gen pour arriver. Nous t'es longtemps depuis que bête la monté, nous t'es dans marque de la bête. Parce que marque de la bête là c'est pas pour dire marque physique li. Moi l'expliquer li là que ma ban c'est ou de verset. Que la petite Bible a parlé. C'est pas un bagage que yo doit faire sur ou même. C'est un bagage que qui existait depuis les bêtes la monté. Depuis quatrième bête la montée, l'établi régime. Depuis le sacré, ça a commencé. Ce n'est pas un bail qui a commencé hier. C'est un bail qui a dit qu'on s'accueille qui pourra le faire. Non. C'est ça qui fait que vous avez dit ça que vous voulez parce que vous connaissez que vous ne pas comprendre. Livre qui explique ça que vous avez ou pas comprendre. Ou vient désorienter. Et ça fait que Paul Bannon, on conseille. Pas tant d'essayer de monde qui parle en pile, pas tant de monde ça yo, et de monde qui fait philosophie, c'est de monde qui parle de religion, qui prend nous à la série de connaissances. En allant dans Colossiens 2, verset 8, on voit que qui ça Paul dit non? Okay. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Yahushua, Hamashiach. Maintenant que Paul dit nous ça, nous gen connaissance en main nous gen esprit en main nous gen volonté nous gen et nous même qui peut choisir. Paul dit nous pas essayer entrer dans philosophie. Des fois que on monde qu'on présente en religion, mon assistant parle bien ou dit comme ça que Lily belle. Tellement que Lily ou dit le belle ou dit au prêt ou discuter avec toute autre religion pour lui. Ou discuter pour ou prêt pour bal vie ou prêt pour bal n'importe quel bagage que parce que ou accepter avec lui parce que qui ça présente lui présente en philosophie et puis qui ça nous fait nous d'accord avec lui nous accepter lui et puis nous prêt pour nous suivre lui ce qui veut dire que depuis longtemps Paul te gen tan prévoit équipe de religion sa yo. Paul te gen tan prévoit nan ki sa que nous nous pour aller. Paul te gen tan prévoit nan ki sa que nous pour le prendre. Paul te gen tan prévoit ki sa que nous y la kounya la. Paul te gen tan prévoit, excusez-moi, mes chers amis. Paul te gen tan prévoit nan sa que nous y la. Ou gen série de pasteurs de yo qui parlent bien. Léofine parle pour là c'est tellement douce et puis il prend ou senti que yo instruit pour ça même pour aller où et pour venir tourner disciple de eux-mêmes tout ça que ou connaît ou prêt pour rejeter nationalité ou prêt pour accepter dire comme ça que ou pas Israël parce que ou entre dans ça que y a dit voilà mais nous parler de la bête qui ça marque là qui ça y ont marqué. Est-ce que Marc là c'est un Marc physique? Est-ce que Marc là c'est un Marc spirituel? Est-ce que Marc là c'est en façon que on comprend les choses? On quitte Timothée dit nous ce qui ça Marc là. En allant 1 Timothée 4 verset 1 à 3. Mais l'esprit dit
expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Kounyala, qui ça, Timothée, dit non quoi ça que, en la fin des temps, quelques-uns, et pas tout le monde, non, il a abandonné Fayo, et puis il pour le séduire par des doctrines des démons. L'homme dit ça, allez pour que dans ça qu'il y a là, qui ça que lié. Et puis, nous ne pouvons pas parler de doctrine des démons qu'on y a là. Mais on leur qu'on a expliqué qui est la doctrine des démons en tant qu'Israël qu'on suppose qu'on est. Qu'on y a là, Paul continue de dire comme ça que, il porte une marque sur conscience. C'est la marque. On va qu'il sur conscience, si on va qu'il dans l'esprit. Là que yo di kon sa ko pote mak la nan fond nan, c'est même mak sa qui entre nan pensée ou et pensée ou c'est ça que qui formé ou. C'est pas pour dire que c'est on pique pour le bon nan fond, c'est pensée ou. C'est ça que ou connaît, c'est ça que ou comprendre, et ça que ou adopter. C'est système de vie que ou vient adopter. Qui j'ont mangé même la bête là, qui j'en parle, même la bête là, qui j'en habillé, même la bête là, qui j'en vivre la caillou avec ou même avec Mario, même la bête là, qui j'en vivre la caillou même Jean avec petit ou même la bête là, qui religion que ou service et religion bête là, tout ça que ou fait c'est la bête. C'est la moque. Tout ça que ou fait, c'est ça que il voulait pour faire. Il y a des séries de choses que ou est que bête l'a fait ou gen droit senti que ou pas d'accord avec yo mais ou pas jamais dit rien parce que après temps ou vin habitué avec lui quand que bête l'a vin endormi ou et yo dit ça que moun qui prend mark ça qui pour accepter entrer dans système bête là pas gain repentance pour vous. Mais si n'a continuer. Ce n'est pas seulement Marc là seulement. La Bible dit nous comme ça que si nous ne sommes pas d'accord avec bête là, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire. En allant Apocalypse 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 17, nous dit et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nom de son nom. On y a là, nous connaissons le nom de son nom, c'est 666, et on nom d'homme lié, on a vu ça, on l'autre là. On fait pas figé, tu finis trop loin. Là, on ne peut pas acheter ou pas vendre là. On doit voir que si on dit comme ça, que si on ne peut pas prendre un vaccin, on ne peut pas acheter, on ne peut pas acheter ou pas vendre. Loin de là. Depuis longtemps, bête la te getan établi système ça. Ou nan système nan sans que ou pas rendre compte. Pays qui pas accepté système bête la. Li retire en côté, li pas en mion, parce que c'est lui même qui a tout pouvoir, il a toute autorité, il a tout cob, c'est lui même qui décide qui j'en pour aider ou. Si que gen yon gouvernement que li pas d'accord avec lui, li jete gouvernement ça. Et si que le gouvernement pas d'accord avec le système, jeter ce système ça. Bête la croire, comme bon exemple, dans l'homosexualité. Et tout
l'autre bête qui était là, tout l'autre empire qui était là avant nous, quoi? On y a l'air imposé avec un petit pays qui ne doit pas d'accord, l'histoire c'est pour jeter le gouvernement ça. Et si que ce gouvernement ça est en plein, c'est tout le pays qui n'est pas d'accord, ils mettent en bas aussi. Il pas avec en 15 ans faire commerce avec eux. C'est sacré les qu'on pas cache, pas vendre là. Nous on sait ça depuis longtemps. Pas que tu au monde qui a dit comme ça que c'est ou même c'est le système. Yo bon paquet côté qui obligé accepter parce que yo peur pour que si que yo pas ami bête là, yo peur que qui ça que bête là gagne doit capable faire. Parce que bête là t'est venu pour te faire un bagage, il t'est venu pour te faire une mission, il t'est venu même pour te prendre peuple saint, pour craser peuple saint, après pour Dieu consacrer ou obligé marcher avec lui, ou obligé servir, ou obligé entrer dans mode de vie lui, ou obligé faire tout ça que lui fait. Dans l'église qu'on y a là, qui ça que nous est? L'église que nous connaît que l'église c'est saint, oui. Bête l'entrée. Yeah. On fait quatre religions qu'on y a là, bête l'entrée. Il ne doit pas dire ça, il est entré en cachette, bête l'entrée. Parce que c'est comme ça qu'il te yé. C'est système pas lié. Si que ou te fait, ou te formé en religion, par exemple, qui d'accord avec le système bête là, ou obligé obéir loi bête là. Et bête là, ce qui ça que kaka gouverne li, c'est côté que li getan voue que côté li pour mener peuple ça de la perdition, qu'on y a là li besoin râler peuple Israël. Et ça fait que la difficile pour peuple Israël camper, pour gon en gros l'église, ou pour peuple Israël, à connaître qui est-ce que y a fait ces deux groupes. Parce que bête là attend qui moun k'ap opposé à lui-même pour lui détruire moun ça. Et encore pour nous conclure ce que n'a dit comme ça que Marc là c'est pas un rien que on prend. C'est pas un piqûre que on prend. C'est pas un fils qu'on mettre sous en bacau. Marc là c'est connaissance que pour toi rentrer. C'est ça que on connaît. C'est ça que vous parlez délibéré. C'est ça que vous n'avez pas accepté. Parce que dans la fin des temps, dans la vie de la Konya là, dans ça que nous exposons, nous n'avons pas exposé. Longtemps que vous avez dit comme ça, que tel bagaille, c'est mon ça qui fait. Maintenant que vous avez dans la figure, ou avez dans la rue, ou avez passé, ou avez dans l'église, ou elle n'a jamais. Cela veut dire que à chaque fois que bête là apprend plus monde et puis qui ça qui a fait, il a détourné nous pour nous dire nous comme ça que Marc de la bête a son autre bagage que lui. On est sincèrement depuis longtemps que nous dans Marc là. Sincèrement en tant que Israël, n'a bataille n'a lutté pour pas que dans système ça. Pour ne pas prendre un trap ça. Pour ne pas entrer dans Marc ça. C'est ça que je veux dire pour nous. C'était Frère Harry. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. 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 Merci Frère Harry. So, comme le a réellement avancé, nous dans 54, nous pouvons terminer qu'on y a là. Et puis, je vais mettre le corps dans Frère Joël. C'était vraiment un plaisir pour tout le monde qui a participé avec nous. Donc, le programme d'attend sur YouTube, comme d'habitude, et puis sur Facebook. Donc, nous allons dire merci encore une deuxième fois. Et puis, merci d'avoir participé. On a vraiment des frères Eddy pour faire une courte prière pour nous pour terminer. Un petit bon sabbat, soit que tu dis, bon fin de sabbat.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de ce que vous êtes avec nous. C'est un plaisir, immense plaisir de ce que nous avons participé avec. Avant de partir, je vais prendre pour faire un simple petit bagage pour moi. Quelqu'un qui est à côté de lui, c'était pour la première fois que vous êtes branché, d'encourager pour venir au en bas, il y a un petit bouton qui marque subscribe. Cliquez sur lui, on dit cloche, cliquez sur cloche là. Avec ça, chaque fois, nous montons ou apprenons. On dit pouce, vous poussez sur lui. Et puis, finalement, partagez avec moi, partagez le channel avec moi. Faites-le connaître. Parce qu'il y a bénéficiaire pour vous. Merci.